Coucou, je vous fais peur. J'ai un sourcil qui est pas pareil que l'autre. Lui il est pas. Non, lui il est pas pareil. C'est le retour caméra. Bon allez, bref, on va commencer. J'espère que vous allez bien. Oh là là, si je m'avance trompée, ça va pas. Attends, j'ai l'impression que je suis blanche. Je suis blanche. Bref, comme vous avez pu le voir, oh là là, j'ai une de ces têtes. Je vais faire une vidéo. Donc un look make-up vampire. Donc j'ai déjà appliqué mes lentilles hein. J'espère que je vous ai pas fait trop peur, surtout avec la tronche que j'ai. J'espère que l'éclairage est bon. J'ai l'impression que je vois rien en fait avec les lentilles que j'ai mis. J'ai l'impression que je vois rien du tout. Donc j'espère que la luminosité ce sera bon. Si vous entendez des petits bruits, c'est sûrement des petits vampires. Non, ce sont des chats. Donc on va commencer, je vais utiliser ma base. Donc je vais être en accéléré, comme ça vous verrez. Voilà.
voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu, que la qualité n'était pas trop mauvaise. J'ai fait mon maximum. J'ai essayé de gérer avec mon logiciel pour pas que ce soit trop blanc au niveau du visage comme les dernières fois. Donc je voulais vous mettre une petite vidéo du déguisement que je porterai lors d'une fête Halloween. Donc celui-ci, c'est le costume, le vampire sexy, pardon, que j'ai eu sur déguise-toi.fr. Donc j'ai eu le petit bustier, j'ai eu également les manchettes en dentelle, la jupe, la collerette avec le rat de cou, et ensuite en ce qui concerne du barésie, des barésies, je les ai eu chez Pestifet, un petit magasin. Les chaussures, je les ai eu chez Just Fab, donc j'ai voulu ce petit côté dentelle, même si on ne le voit pas beaucoup, mais il y a de la dentelle sur la chaussure. Donc j'ai voulu ce côté-là parce que j'ai trouvé que avec le niveau des manchettes dentelles, ça suit vraiment beaucoup, je les aime vraiment beaucoup. Donc les talons sont un peu très hauts, mais moi ça ne me dérange pas, c'est mon choix, j'adore ça, je trouve que ça rappelait le côté sexy du costume et j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien, que c'est pas un peu trop long pour vous. Et puis voilà, donc la jupe est un petit peu courte, mais moi ça ne me dérange pas, j'aime bien, donc c'est le côté sexy également. Donc j'ai pris une taille M, il y a deux tailles, donc c'est pas le plus cher, mais c'est pas non plus le moins cher. Donc voilà. Cette vidéo est terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu, je me répète encore. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des petits likes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous mettrai le petit rond pour vous abonner si jamais ça vous intéresse. Et voici une autre vidéo pour que vous puissiez la voir si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye !